Donc bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture donc de 5 paquets. Donc on a 4 paquets 2015-2016, donc année recrue de Connor McDavid et Jack Eichel entre autres. Obi Pack, donc 4 Obi Pack de Upper Deck Série 2. Et on a un retail de 2010-2011, donc la chance d'avoir Tyler Seguin, quand même Young Gun. Donc quand même on peut avoir des bonnes cartes là-dedans, sinon il y a des updates de Victory. C'est un peu moins bon. Donc, on rouvre ça immédiatement. Donc, le 2010-2011, on le rouvre immédiatement. Oh! Tyler Seguin Young Gun. Oh! On a pogné la carte à avoir. Donc, Tyler Seguin, je crois, elle a un BV de 150$. Donc, Tyler Seguin Young Gun. Donc, c'était la raison pourquoi j'ai acheté le paquet, pour avoir 7 cartes. Et on l'a eu, mesdames et messieurs. Donc, j'avais tout prévu. J'avais sorti les One Touch, tout le kit. Donc, méga hit aujourd'hui, ce matin. Tyler Seguin Young Gun. C'est un BV de, je crois, 150$ US. Donc, ce qui équivaut à 200$ canadiens. Donc, méchante belle carte aujourd'hui. Donc, elle est en super bêta. Très belle carte, Tyler Seguin, Young Gun. Donc, on pouvait pas pogner mieux ce matin. Donc, je pourrais arrêter la vidéo là et on serait déjà gagnant. Mais je vais continuer malgré tout. On a encore 4 beaux paquets à ouvrir de Série 1. Donc, on aurait pu garder le paquet pour la fin. Mais on y va tout de suite avec un méchant gros hit. Oh, je suis trop content ce matin. Méchant gros hit, Tyler Seguin, Young Gun. Donc, c'est un paquet vraiment pas cher que j'ai payé, je crois, 3$. Vu que c'est un retail. Une UD part. Non, ça c'est une UD série checklist. Donc, pour la collection, Jonas Kapanen. OPG update. Donc, même si on ne pogne rien bon dans les autres paquets, cette carte vaut amplement. Donc, Tyler Seguin Young Gun qu'on a eu ce matin. Une Connor Hellebuck numérotée sur 99. Donc, UD Portraits Rookie de Connor Hellebuck sur 99. Donc, une autre très bonne carte à avoir. J'ai aucune idée de sa valeur, mais très bonne carte. Donc, on est parti sur les grosses cartes ce matin. Même dans le retail avec la Tyler Seguin. Très bon. Et là, on a une Connor Hellebuck recrue. Portrait sur 99. Donc, j'ai bien hâte de voir la valeur de cette carte. Donc, Connor Hellebuck, un des meilleurs gardiens cette saison dans la Ligue nationale. Ensuite, on y va avec le troisième paquet de Upper Deck Série 2 de 2015-2016. On y va. On a une jersey de Kevin Fiala. Donc, on est vraiment parti sur les bonnes cartes ce matin. Jersey de Kevin Fiala. Donc, très belle carte, très bonne carte, une très bonne recrue, ce jeune joueur. Donc, une autre belle carte, UD Canva de Kevin Fiala. Donc, je vais mettre ça dans le plastique, ça sera pas long. Un instant. Donc, je le mettrai dans le plastique plus tard. J'ai ouvert le dernier paquet, seulement un paquet à ouvrir maintenant. Donc, quand même très, très bonne ouverture ce matin. Je crois que c'est la meilleure ouverture depuis très longtemps, depuis la fois que j'avais pogné une Sidney Crosby dans ATG numérotée sur 10 sticker patch. Et on a une Connor Brickley de Rainbow. Donc Rainbow Fall recrue dans Upper Deck. Donc très très bonne ouverture ce matin. Donc deux petits updates de OPG. Une jersey card de Kevin Fiala recrue. Connor Hellebuck sur 99. Et la grosse carte, Tyler Seguin, Young Gun. Donc, très grosse ouverture. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donc, on pouvait pas vraiment avoir meilleur que ça ce matin. À part pogner une Jack Eichel dans les paquets de 15-16 ou Owen McDavid Canva. C'était pas mal le plus gros qu'on pouvait avoir, même que je dirais que la Tyler Seguin est meilleure que la Jack Eichel, ça, c'est certain. C'est sûr, ça aurait été le fun, une belle Jack Eichel en plus. Mais quand même, très belle carte, Connor Hellebuck, très content.
et une belle Kevin Fiala jersey. Donc merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.